Château Aubriot 64, mais t'es folle. J'ai un peu triché parce que l'année de ta naissance, 1965, c'était pas un bon cru. Ça, c'est vrai. Bonsoir tout le monde. Ça a été ta journée? Bah oui. Rien de particulier? Non. T'as déjeuné où à midi? Dans un café, un truc très moyen. De toute façon, j'avais pas faim, j'avais à peine mangé. T'as à peine mangé avec qui? Pourquoi tu me demandes ça? Tu l'entends que t'attends? Une bonne heure. Tu dors ici? Si ça t'ennuie pas. Il y a une chambre d'amis à côté. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. La salle de bain et les toilettes sont là-bas, près de la cuisine. Pour la douche, il y a un robinet rouge et un robinet bleu. Le robinet rouge... C'est pour l'eau chaude. Ben non, justement, c'est le contraire. Bon, je me lève tôt. On se verra demain soir. Bonjour. Vous êtes bien chez Antoine, Cécile, Vincent et Alice. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Mais vous pouvez laisser un message. C'est à vous. Allô? Allô? Tu vois, Antoine, c'est là que je viens tous les jours que Dieu fait. Comme une drogue. Tiens, allez, ça. Qu'est-ce que t'as? Dans ma parcaille, il y a un carnet d'adresse. C'est ça? Ouais. Tu vois la lettre D. Cherche d'ange. Marion d'ange. Qui c'est cette Marion? Une cancérologue. Plus tard, tu l'appelleras. Elle te dira ce qu'il faut faire. C'est mon médecin, Marion. Mon médecin et une amie, juste mon amie. Et dire que Cécile a cru que c'était ma maîtresse. Tu l'as pas dit que c'était faux? Non. Enfin, mais pourquoi? Parce que sur le moment, ça m'arrangeait qu'elle le croie. Parce que j'ai pas eu le courage de lui dire que j'allais mourir. Et puis tout s'est enclenché, j'ai pas pu revenir en arrière, et surtout j'ai pas voulu. J'étais jusqu'au bout. J'étais ignoble exprès. Mais jouer les salauds pour pas se faire regretter, c'est pas facile. Bon alors quand ça sera fini, faudra que t'ailles la voir. Puis tu lui expliques. Le plus important c'est que tu lui dises qu'elle avait raison quand elle disait que j'étais fou. Fou amoureux d'elle. Thank you.